Salut les techniciens, c'est Amslow, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Moi écoutez les gars, ça va nickel. Et aujourd'hui, on va se retrouver donc pour un nouvel épisode, l'épisode numéro 33 de notre série Gloire aux Skills. Donc alors, dans l'épisode précédent, nous avions gagné 2-0 avec beaucoup de rage, puisque notre adversaire utilisait beaucoup les passes lobées, même dans son camp, hein. Je vous jure, même dans son camp. Donc voilà, ça fait plaisir de vous retrouver, on est en live, hein, comme d'habitude les potes, hein. Vous avez l'habitude maintenant, c'est des lives dans cette série. Dans cette division 1, nous avons donc 6 points. On a 6 points et il nous reste 8 matchs à faire, à jouer. Donc ça va être compliqué, mais on a quand même bien débuté avec ces 2 victoires. Espérons que là, pour ce 3ème match, on va encore choper une nouvelle victoire. Donc tout d'abord, j'aimerais vous dire une chose. Si vous voulez une nouvelle vidéo dès demain, les potes, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Ça me fait super plaisir encore une fois. Donc lâchez un maximum de j'aime. Allez, c'est parti. On va tout de suite partir donc pour ce 3ème match. Donc je vais vous montrer un petit peu, tiens, on va vous montrer un petit peu l'histoire de la saison, tac tac tac. Donc il n'y a pas grand chose qui a changé, hein. Donc voilà le bilan comme vous voyez, hein. Donc le vrai bilan, 60 victoires, 20 nuls et 30 défaites. Donc voilà, Ivoilou, voilà, voilà, bon voilà. On va passer, hein, on va passer à autre chose. Donc alors on va utiliser donc l'autre équipe maintenant, vu qu'on a déjà utilisé Joga Bonito, hein. J'alterne à chaque fois, à chaque match. Non, je voulais pas faire ça, excusez-moi. Donc voilà, on va prendre l'autre équipe, c'est parti, Serenity. Donc ouais, on a bien débuté nos 2 premiers matchs, hein, dans cette division 1. Donc espérons que ce 3ème match, il va se dérouler comme on le veut, comme on le souhaite. Espérons en tout cas avec cette équipe de Serenity, avec notamment Ribéry et Benaf. C'est parti pour la recherche de notre adversaire, c'est parti les potes, je commence déjà à stresser. Je vous rappelle qu'il faut vraiment qu'on gagne un maximum de matchs dans cette division 1. Hein. Je vous rappelle que le but de la série donc c'est de remporter le titre, hein, le titre de la division 1. C'est le but, c'est pas de rester en division 1, c'est de remporter le titre. Donc on a trouvé un adversaire. On va dire qu'il est fan du Bayern, hein, vu qu'il a ok 83 général, vu qu'il a le maillot du Bayern et le logo du Bayern, et il a une Bundesliga avec Marco Reus, Aubameyang, Thomas Müller, Toni Kroos. Il a aussi Gundogan, Alba. Putain, à chaque fois je les confonds ces deux-là, donc désolé. Jérôme Boateng, Matt Hummels. Ok. Donc ouais, il a une belle Bundesliga. Donc on va se concentrer les potes, comme dans le match précédent, et on va essayer de marquer le plus vite possible pour pouvoir proposer notre beau jeu et essayer d'être confortable dans ce match pour pas non plus, hein, se manger de nul ou se manger de défaite, hein. Je vous rappelle que le but c'est de remporter le titre de la division 1. Allez, à tout de suite les potes. Bien joué la défense, on continue. On l'a vu en bas, c'est Royce. Attention. Bon, dans les 2 premiers matchs, on s'est pas pris de but de la tête, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, nous, on en a mis un. Avec notamment... bien joué la défense, putain, allez, bien joué Chermiti, c'est bon ça. Avec notamment, bah, Chermiti. Eh, oh là là. Magnifique transversale pour Ben Arfa. On l'a vu en bas, c'est Debuchy. Allez, Debuchy. On va tenter un truc. On va tenter ça. Ça. Oh, l'arrêt de... c'est qui son goal? C'est Weidenfeller, je crois. Quel bel arrêt, en tout cas. Eh, les corners, les potes. Vous savez ce qui va vous attendre. Les corners, les potes. On va tenter la retourner parce que ça a vraiment beaucoup marché dans l'épisode numéro 1. Enfin, dans l'épisode numéro 1, n'importe quoi. Dans l'épisode numéro 31. Donc on va essayer et puis espérons que, je crois que c'est Chermiti, hein, comme d'habitude, donc espérons qu'il va nous proposer une retournée. Oui, mais non. il a fait un drop les potes, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bien joué Ribéry. Bien joué. On temporise, malheureusement. Bah, bien joué Nasri. Oh putain, encore la transversale, c'est pas possible. Magnifique frappe de la part de Samir Nasri. Malheureusement, c'est la transversale, hein. Putain, on a failli marquer un long shot, les potes. On a vu Chermiti. Non, c'est dommage. Belle défense. Attention à la contre-attaque. Il faut faire attention aux contre-attaques. Il faut quand même qu'on mette un... Oh non. Non. Oh putain, j'ai eu peur. C'est quoi ces balles, quoi? Putain. La défense, s'il vous plaît. Bien joué. Allez, les potes. Y'a faute s'il vous plaît l'arbitre. Et l'arbitre, franchement, je sais pas pourquoi, mais il est toujours en vacances, hein. Il est pas revenu des derniers matchs.
Et hors jeu, il y avait complètement hors jeu, cher Midi. Je sais pas ce que tu voulais faire. En fait, on l'a vu, hein. On l'a vu sur le radar. Il est en train de planter sa tente devant le but là-bas. Oula, attention. Allez, il faut qu'on joue vite là. Allez, 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 Chichaoui. Allez. Oh non, il la sauve. Oh non, il la sauve, les potes. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah, bon. Première mi-temps assez serré. Assez serré. On a eu des occasions des deux côtés. Donc voilà, c'était. J'aurais pu marquer à plusieurs reprises. Malheureusement, je n'ai pas su, on va dire, transformer mes occasions. La magnifique frappe de Samir Nasri. Malheureusement, c'est la transversale. Hein. La transversale qui retentit. Donc regardez, hein, on n'arrive pas à cadrer. On n'arrive vraiment pas à cadrer. Notre précision de tir est vraiment très très faible. Hein. 28% de précision de tir, c'est vraiment pas fameux, hein, Sam. Faut que tu t'améliores dans cette deuxième mi-temps. Allez, c'est parti les potes, on va essayer de marquer un but dans cette deuxième mi-temps et espérons gagner le match sans faire de nul et de défaite. Il fait rentrer Hulk et Eto, la vitesse les potes, faudra faire attention, je crois qu'en plus il les a mis en buteur. Regardez, ils sont tous les deux devant il y a Aubameyang, il y a Eto, il y a Hulk, il y a beaucoup de vitesse, donc faudra faire attention. Allez Chiraoui, tu peux le faire, voilà, le ball roll, le drag back, les petits passements de jambes, je fais un petit peu n'importe quoi, ce n'est pas grave. Bien sûr, il y a faute. On va la tenter ou pas? On va la tenter. Est-ce qu'on a des bons joueurs? On a Nasri. On a Rodriguez. Allez, on va tenter avec Rodriguez. Allez. Ah, dommage. C'est cadré, mais ce n'est pas tout à fait ça. Oh là là. Oh là là. Oh la mauvaise relance. Oh la mauvaise relance. Allez. Oh putain. Oh dommage. Oh là là. On aurait dû en profiter, les potes. On aurait dû en profiter là. Attention. C'est Hulk. Allez, on va tirer. Oh là là, encore une fois, un arrêt de son gardien, Weidenfeller, qui fait un bon match là pour l'instant. Bien joué. Allez, Nasri, fais-nous plaisir. Dommage. Sam, arrête un petit peu. Voilà, on reprend la balle. Allez. Allez. Qu'est-ce que je fais? J'ai de la chance. J'ai de la chance les potes, j'ai de la chance, c'est pas grave, on marque le but à la 63ème minute de jeu, bien joué Samir Nasri, encore une fois Samir Nasri qui marque un but avec cette équipe. Donc on a eu beaucoup de chance là sur cette action, mon adversaire qui essaye de dégager, on reprend la balle assez chanceusement avec Chichaoui pour Nasri et Nasri qui nous met le premier but. Donc voilà, on est bien parti les potes à la 63ème minute et il faut qu'on continue les potes à bien jouer. Allez, on court. Tranquillement. Oh, le petit pont. Oh, il est passé. Oh non, j'aurais dû tirer direct. C'est pas grave, mauvais dégagement de mon adversaire. Oh là là, il est contré. Putain, c'est contré, les amis. C'est contré de le tir de Ben Arfa. Allez, on va tenter la petite nouveauté là que vous avez vu dans les précédents épisodes. Est-ce que ça va marcher? Ah, il est mal tiré. J'ai mal tiré. Attention quand même à la contre-attaque. On est tranquille, on récupère la balle tranquillement. Ribéry. Voilà. Voilà, allez. Oh, dommage, il a complètement loupé sa frappe. C'est pas grave. 75ème minute, on mène 1-0. Oulala, 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 oulala. S'il vous plaît, c'est qui? C'est Hulk. Hulk. Oui, le tacle. Attention. Oh putain, oui, la défense. On continue, les potes. On continue, il y a hors-jeu. Ah, c'est ça, les potes. On a une bonne défense, les amis. C'est bien, ça. C'est très, très bien. Attention, la passe lobée. Voilà, on dégage. C'est bien dégagé, en plus. C'est bien repris par nos amis. Voilà. 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 Encore une fois. Il y a quoi? Il y a pénalty? Ok, d'accord, il y a pénalty. Je pensais pas qu'il y aurait pénalty. Je pensais qu'au moins, il aurait laissé l'action se terminer, parce que Chermiti, je crois que c'était Chermiti. Ouais, c'était Chermiti, mais il allait tout droit au but. Ah, les pénalty, les potes, vous me connaissez avec les pénalty. Est-ce qu'on va marquer ce pénalty? On va tirer où, les potes? Vous voulez tirer où? À gauche? Non, à droite? Ça marche, on va tirer à droite. Ça marche, les potes. Merci, franchement merci. Bravo à vous les amis, bravo à vous. Chichaoui qui nous met ce but. Ce pénalty à la 84ème minute. Je pense que c'est dans la poche, hein. C'est dans la poche.
C'est dans la poche, ça fait plaisir. 2 buts à 0, je pense pas qu'il peut revenir mon adversaire. On va quand même défendre un petit peu, hein. On sait jamais s'il a une contre-attaque et qu'il nous remonte au score. Donc faudra faire attention quand même. Allez, la défense. Putain, c'est Hulk. Par contre, Hulk, il va vite et en plus, il a beaucoup de physique. T'as personne au centre. Je savais bien qu'il allait tirer. Attention. Bien joué. Bien joué le tacle, Rodriguez. Bien joué. C'est le corner. C'est le corner pour mon adversaire. Donc je pense pas qu'il va mettre... Il va peut-être mettre un but sur le corner. Attention. Mais en tout cas... Non, c'est bon, tranquille. Attention quand même, hein. Faut pas s'avouer vainqueur direct. Allez, la contre-attaque. La contre-attaque pour... Pourquoi pas pour la dernière occasion. Allez, Chermiti. Allez, Chermiti. Allez, Chermiti. Le Barbaspin. Oui, ça passe. Oui, ça passe. Ça passe plus. C'est pas grave. C'est pas grave. On a gagné un peu de temps en faisant nos petits gris-gris. Et normalement, et voilà, il siffle la fin du match. Et on gagne ce troisième match. Et on a gagné nos trois premiers matchs dans cette division 1, les amis. Ça, c'est compliqué. Mais on a quand même réussi à faire trois victoires d'affilée. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a encore une fois dominé notre adversaire. Décidément, je joue beaucoup mieux quand je suis en live. Donc on va continuer dans cette série, dans cette Division 1 en live, hein. On va continuer. En tout cas, les potes, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Donc regardez, on a 9 points. Et on continue. Il nous reste encore, si mes calculs sont bons. Il nous reste encore 14 points. Il nous faut 14 points pour gagner le titre de la Division 1. Espérons que ça soit possible, les amis, hein. Souhaitez-moi bonne chance pour ça, en tout cas, hein. Je vous rappelle que le but de la série, je me répète encore une fois, mais c'est de gagner le titre de la Division 1 tout en marquant des beaux buts. Enfin, du moins, on essaye, hein. Mais le but à la base, c'est de gagner le titre de la Division 1 tout en essayant de proposer du beau jeu et en jouant avec que des joueurs avec 5 étoiles de GS Technique. Donc, minimum un joueur avec 5 étoiles de GS Technique dans notre équipe, hein. Donc, voilà pour cet épisode, les potes. J'espère vraiment que vous aurez aimé cet épisode, hein. N'hésitez pas à aimer la vidéo comme d'habitude. Nous, on va se retrouver donc demain pour une nouvelle vidéo, hein, en route pour Rio, qui arrive donc dès demain. Moi, ça me fait plaisir à chaque fois de vous retrouver, hein, quotidiennement, chaque soir, hein. Donc voilà, les potes, 3 victoires, c'est tranquille, on est tranquille dans cette Division 1, et il faut qu'on continue. Donc nous, on va se retrouver donc dès demain, les potes. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas de chausser vos crampons, et à demain. Ciao, les amis.